Coucou mes amours, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi, c'est le premier samedi des soldes, alors j'aimerais bien faire les magasins aujourd'hui. Je me suis réveillée il y a environ 2 heures, le temps que je me douche, que je me maquille, que je mette ma perruque et tout. Donc voilà, là je suis prête. On va choisir mes vêtements ensemble et on va passer surtout la journée ensemble. N'oublie pas de liker pour m'encourager, mets-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne et c'est parti, on y va. Mouah. Donc là je suis en pyjama et je vais aller choisir mes vêtements. Et vu qu'il fait un peu frais, je pense que je vais mettre un petit sweat avec un petit pantalon, je sais pas trop. Donc là mon sweat noir il est en bas, donc faut que j'aille le repasser. Et est-ce que je le mets avec un pantalon ou pas? J'aimerais bien mettre le pantalon blanc là. Ou sinon je mets un pantalon à carreaux. Finesse, je trouve plus mon pantalon. Au final aujourd'hui j'ai envie de mettre mon jean noir bleu. Et je sais pas si je le mets avec un petit chemisier ou quoi, parce qu'il fait quand même pas très chaud dehors, même si là il y a du soleil. Donc je vais voir, mais pour l'instant je suis en pyjama. Cette nuit j'ai passé toute la nuit à apprendre une choré sur TikTok, du coup là je vais finir de choisir mes vêtements. Et je pense que je vais filmer la choré sur TikTok parce que je vous jure que j'y ai passé au moins 1 heure. Je commence à devenir accro à TikTok. Voilà mon petit pantalon, j'aime beaucoup comment il taille en fait, je trouve que ça fait vraiment joli. Je sais pas si je vais le repasser parce que là il est un peu voilà quoi, mais il manque plus qu'à trouver le haut. Je vous jure que là en attendant que ce soit l'heure que je sorte, ça fait genre 30 minutes que je fais des TikTok. J'essaierai de vous mettre un extrait des TikTok que je fais, je suis essoufflée parce que genre j'ai appris des danses et tout, tu vois. Bref, si vous me suivez sur TikTok vous savez de quoi je parle, mais genre c'est trop bien on fait les danses de TikTok, pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt? Aujourd'hui je me suis réveillée à midi, donc là je pense que je vais prendre un bout de pizza parce que je commence à avoir faim, parce qu'hier on a mangé des pizzas, enfin, il en reste plus beaucoup. Hein. Il est déjà 15h24, j'étais censée sortir à 15h pile. Je sais pas du tout quoi mettre comme haut, mais en fait dehors il fait tellement genre soleil que je me dis qu'il doit pas faire froid, mais je suis sûre que si je sors comme ça avec une veste je vais avoir froid, donc il va falloir que je trouve un haut. Non Maya, tu ne sors pas en crop top. Who are you? Who are we? We are that bitch. Là, il est 15h30, j'attends encore mon copain, il est encore en retard, comme d'hab. Bref, donc je me suis dit qu'au lieu de regarder la télé, je pourrais peut-être vous raconter un peu ma life en attendant. Parce que j'ai passé une semaine dégueulasse. Enfin, en fait, il y a un mois, on a fait des bacs blancs. Et j'avais travaillé de ouf pour les bacs blancs, je connaissais par cœur. Enfin, vraiment, j'avais charbonné, quoi. Et j'ai pas eu des très bons résultats. Enfin, j'ai quand même eu un 17 en anglais, 14,5 en espagnol, 9 en histoire, pas très bien, mais ça passe. Mais j'ai eu 6 en philo, alors que philo, quand je vous dis que c'est le truc que j'avais le plus révisé, matin, midi, soir, à toutes les heures, j'en bouffais de la philo, tu vois. Donc ça m'a un peu fait de la peine, on va dire. Mais je reviendrai plus forte, même si la philo, je sais pas comment je peux améliorer mes notes, parce que je comprends pas. Mais en fait, ce qui est chiant quand tu prends philo, parce que je sais que maintenant le bac il a changé, donc c'est vous qui choisissez vos matières. Je vous dis pas de pas prendre philo, mais je vous dis qu'il faut savoir qu'en fait, la philo, c'est qui tout double, c'est-à-dire que c'est pas en rapport avec tes connaissances. Faut juste avoir l'esprit philosophique, genre faut savoir aller loin et tout, et moi je sais pas si je peux vraiment... Bref. En gros, pour vous dire que cette semaine, ça a été un peu relou pour moi, parce que j'ai pas eu des très bonnes notes alors que j'avais vraiment charbonné. Mais à part ça, sinon, il commence à refaire beau, le ciel est bleu, donc tout va bien, faut pas se prendre la tête. En plus, cette semaine, j'ai mangé des pizzas, je vois bon côté des choses, j'ai mangé des pizzas, j'ai mangé des frites. Pourquoi je vais me rendre malade, tu vois? Donc ouais. Sinon, cet après-midi, bah là, il est déjà 15h30, donc le temps que j'arrive en ville à Reims et tout, j'ai le temps. J'aimerais bien aller à Zara, parce que j'aimerais bien m'acheter 2-3 petits trucs, même si j'ai quand même pas mal de vêtements. J'aimerais bien m'acheter des petits hauts, des vêtements blancs, parce que je kiffe les vêtements blancs en ce moment. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire d'autre? J'aimerais bien faire un tour à Bershka, H&M vite fait, même si H&M je vois pas... Ouais, j'aimerais bien faire les magasins. Donc voilà. Et sinon, vous avez passé une bonne semaine, vous ou pas? Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez passé une bonne semaine, comme ça on se soutient ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Mais si vous avez passé une mauvaise semaine, dites-moi dans les commentaires, comme ça on va être deux. Mais j'espère quand même que vous avez passé une bonne semaine, t'as capté, mais... sinon je voulais dire quoi? Ah ouais, j'ai une application sur mon téléphone, c'est genre, je sais plus c'est quoi le nom. En fait, tous les jours, tu coloris la case, genre, le 1er janvier, tu coloris la case, genre tu coloris vert si t'as passé une super bonne journée, tu coloris rouge si t'as passé une mauvaise journée, bref, tu coloris tes cases en fonction de la journée, si elle s'est bien passée ou pas. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Et je vous jure que ma vie c'est un film. Un jour la case elle est verte, genre trop bonne journée, le lendemain la case elle est rouge, vert, rouge, vert, rouge, je suis... pas stable, genre tous les jours il se passe un truc, enfin bref. Là mon copain il vient de m'appeler, il a dit qu'il arrive et si je suis pas prête il va me saouler. Donc là il faut que je trouve un haut à mettre parce que sinon il va vraiment me saouler. Ah au fait je voulais vous montrer, ce matin j'ai commandé un colis. Enfin j'ai commandé il y a longtemps mais je l'ai reçu ce matin, c'était sur Amazon. Et en fait c'est pour une prochaine vidéo, attendez je vous montre. Comment ça s'ouvre?
Alors, en fait, j'ai commandé ça, mais je sais pas si c'est la bonne couleur. En fait, c'est une sorte de coloration pour les barbes. Imaginons que vous avez des trous dans votre barbe, bah vous en mettez partout. Et comme ça, ça va couvrir les trous. C'est une sorte de tatouage éphémère, si je peux dire. Ça, comme ça. Et en fait, moi, je vais m'en servir pour colorer mes sourcils. En fait, je vais faire la forme de mes sourcils. Et comme ça, le matin, j'aurai pas besoin de les redessiner tous les jours. Donc, je vais faire ça en vidéo, normalement. J'espère que je vais pas me louper. Et j'espère que c'est la bonne couleur, parce que ça a l'air un petit peu clair. On verra. Au final, j'ai mis un petit haut comme ça, donc un peu crop top quand même, mais un peu chaud avec ce pantalon-là. Je sais pas encore avec quoi je vais le mettre, peut-être avec ma veste en cuir, avec celle-ci. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ah ! Je sais pas si c'est bon comme ça ou pas. J'hésite. Je vais mettre ça avec mes Converse, je pense que ça passe. Sans jamais oublier le parfum Zara. Que serais-je sans le parfum Zara? Trois tonnes, sinon c'est pas assez. Je sais pas pourquoi ça sent grave la cigarette devant chez moi alors qu'il y a personne qui fume chez moi, donc voilà quoi. T'es content de me voir? Pas trop trop. T'as pris du temps à sortir. Ma tante elle m'a ramené ça et c'est trop bien, genre en hiver quand tes lèvres elles sont genre toutes sèches, je vous jure que ça fait des lèvres de ouf. Donc je sais pas où vous pouvez le retrouver. Il tue sa race. Hop. Et j'ai acheté ça sur AliExpress, un grills, et je l'essaierai avec vous tout à l'heure. Je sais pas si ça m'ira bien. Non. Là on est arrivé et en fait j'ai pas pu filmer dans la voiture parce qu'en fait c'est moi qui mettais la musique avec le bluetooth avec mon téléphone. Donc du coup si j'avais filmé bah, il y aurait plus eu la musique donc j'ai pas pu filmer, voilà bref. Là de toute façon on est arrivé donc je vais vous prendre avec moi pour faire les magasins. Pour une fois il fait grave beau mais de toute façon il va faire nuit dans pas longtemps parce qu'il est déjà 16h20 donc il a 1h30, il fera déjà nuit, c'est nul. Même pas une heure. Déjà là le parking il est complet donc on n'est pas prêt d'arriver. C'est bon. Est-ce qu'on peut rentrer s'il vous plaît? Ah. Donc du coup vu que je peux pas vlogger et mettre la musique en même temps, je vais chanter. Je veux qu'elle bouge, qu'elle danse pour toi. À se vendre sa bicrave de la bonne moula. Un jour elle répète mignon, je pourrais follow back. Follow back. Est-ce que je suis dans le sale? Je suis pas un mec net, je suis pas mariée avec elle. Est-ce que je chante bien? Pas du tout. Non, tu dis oui. Je préfère écouter Skyrock. En direct du parking de souterrain, nous avons enfin trouvé une place. Je me suis pilé les jambes ce matin. Parce qu'à chaque fois, en dessous de mon jean, il y a plein de poils qui dépassent. Et là, je suis jamais réussi. Comme vous pouvez le voir derrière, nous sommes place, combien? 2018. Et c'est tout, on y va. Merci. Merci le coup de coude. Il y a quelqu'un qui a laissé sa fenêtre ouverte, qui a mis une bonne musique. Nous appuyons sur les boutons pour prendre l'ascenseur. Un mot à dire? C'est moi quand même. Un. J'ai froid. Ils chantent bien. Merci, franchement pas mal. Ah! Mais s'il te plaît, gâche pas ma vidéo. Là comme ça la lumière elle est moche. Et là comme ça, faut toujours trouver ses angles les filles et garçons. Il faut toujours trouver la bonne lumière et les bons angles. Ouais. T'imagines comment moi j'ai froid? Et moi alors? Thank you.
au final il fait trop froid le jour où j'ai décidé de mettre un crop top. Et moi tout à l'heure je me disais quoi? Je me disais ouais il y a du soleil, bon il doit faire chaud. Pas du tout. En premier on va à H&M parce que monsieur veut aller voir un sweat. Ah t'arrêtes ou pas? Là je suis à H&M et je vois rien pour l'instant de attrayant donc je pense que je vais plus voir à Zara parce qu'à Zara il a l'air d'avoir des trucs bien. Voilà, il fait que de se moquer de moi, maintenant tu veux quoi toi? Alors, il me montre ça, il me dit il est cool. Non, vous n'avez pas de goût. On y va. Non. Lui, il est venu pour voir les suites et je me rappelle, enfin j'avais acheté le même comme ça à nous deux. Et je crois que je... Ah arrête, tu gâches toujours les vidéos. Bref, et lui il en veut un tout blanc. Je sais pas pourquoi, parce que je crois qu'il en a déjà un blanc. Pourquoi monsieur vous en voulez deux en blanc? Parce qu'en fait j'ai une maladie. Ok, moi j'en ai déjà un en blanc mais le mien il est trop large. Donc je vais peut-être en reprendre un mais pas chez les hommes parce que les épaules elles sont trop carrées. Je l'aime pas. Arrête. Attends, là on vient de sortir de H&M, il n'y avait rien à H&M. Et on va aller à Bershka et après à Zara et à courir parce que quelqu'un ici veut aller courir qui n'est pas moi. Et voilà. Pourquoi tu veux toujours gâcher mes vidéos s'il te plaît? Pourquoi tu veux toujours gâcher mes vidéos? D'habitude j'aime bien Bershka mais là ils ont mis vraiment des vêtements en mode trop gamin tu vois, genre avec des écritures comme ça et tout. Enfin je suis pas trop fan des soldes quoi. On sait encore ça passe mais j'aime pas la matière. Il y a trop de gens. Et là on va à courir. Lequel? Ouais. Mais il y a trop de gens et ça sent fort, enfin c'est relou quoi. C'est le bazar. Devinez dans quel magasin je suis. Zara mon amour. J'aime bien celle-ci, mais c'est vrai que j'en ai des similaires. Ou alors celle-ci. Mais c'est pas encore trop soldé, tu vois. Donc je vais peut-être revenir plus tard. Et celle-ci, je kiffe trop de ouf. Mon copain il aime pas, mais c'est pas grave, moi j'aime trop. Mais vu que je suis un peu petite en taille, je sais pas si ça va aller. Je veux exactement celle-ci, mais je crois que la mienne elle était plus blanche. Je sais pas si c'était celle-là. C'était celle-là que j'avais essayé? C'était pas celle-là? Bah, je veux à peu près celle-ci, mais je sais pas si elle y est encore. Parce que la dernière fois je l'avais pas achetée. Donc si je retrouve une à peu près comme ça, mais en plus blanche, je la prends. Ça, à chaque fois que je le vois, je le veux, mais il est pas soldé. Et ça me fait chier, sachant que c'est des soldes, de prendre un truc qui est pas soldé. Mais il est super joli. Et celui-là aussi. Mais mon copain il aime pas toujours. Voilà, il aime rien. À part des trucs moches. Celui-là j'aime trop et pour une fois mon copain il a validé, c'est vrai? Moi pas trop en fait. Mais par contre c'est presque pas soldé déjà. 25,99€, enfin c'est dommage. On dirait grave les jeans dans les années 2000 ça. Là, on est en train de regarder les vêtements des hommes et je vous jure que je me suis mordu la langue de ouf en mangeant un chewing-gum, je suis un PL. Je me suis déchiré la langue. Mmh, ouais, ça va. Oui, ça va, mais est-ce que tu as le haut qui va avec? Hello. Je sais pas pourquoi il regarde des jeans blancs alors que... Regardez ce copieur, il veut s'acheter la même veste que moi. Vous voyez, moi j'ai la même comme ça en version femme. Il veut la même. Mais t'as un copieur toi en fait. C'est vrai qu'elle est belle en homme, mais je préfère sur moi. À Zara, ils ont sorti des nouveaux parfums, mais je vous jure qu'ils puent de ouf. Ils puent de ouf. Donc là, je crois que je vais prendre la base quoi, parce que les nouveaux là, c'est dégueu. Ça en soi, c'est joli, mais tu trouves les mêmes sur AliExpress pour 20 fois moins cher. Attends, écoute, tu fais combien? Ouais, genre à même pas 2 euros, tu trouves les mêmes sur AliExpress et là, ils coûtent 12 euros quoi. Coup de cœur, je veux absolument ça. Mais je m'en fiche, elle est quand même belle. C'est pas celle-là. Je vais l'essayer. Hop. Elle est trop trop belle, j'hésite à la prendre. Je suis rentrée à Zara, il faisait jour, et là je ressors, il fait déjà nuit, c'est trop triste. Ah, je voulais dire quoi? J'aime trop les trucs, les lumières comme ça. Oui, tu voulais dire quoi? Là, on prend notre goûter au McDo. Donc voilà, j'ai pris ça avec un chocolat chaud. Madame est énervée. Tu peux ne pas me parler, s'il te plaît? Ah, ok.
D'habitude, quand c'est pas les soldes, je trouve grave des trucs dans les magasins et tout. Et là, pour une fois que c'est les soldes, j'ai rien trouvé. J'espère que je vais pas me brûler. Et donc, il n'y a pas de chocolat dedans. Toute ma vie en une photo, mon seul amour. Mon seul amour. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, hein, je me rends compte. Depuis tout à l'heure, on joue à Flappy Bird et c'est jaloux, il est deck parce que j'ai fait un meilleur score que lui. Ah, 77 à 46. Ah, j'ai gagné, il l'a perdu. J'ai gagné, il l'a perdu. J'ai gagné, il a perdu, ouais ouais j'ai gagné, il a perdu. Là je suis à Sephora, je regarde les bacs de sol, ça va, il y a pas mal de trucs. Mais bon, lui il est en train de m'afficher, il me dit quoi? T'es en train de voler, t'es en train de voler? Tu peux arrêter de taper l'angle s'il te plaît? Ça va, il y a des trucs UW, c'est tout en solde, hein. Il y a même... il y a grave des marques bien en solde. Faut voir. Il y a même du Fenty en solde. Donc là, je vais peut-être prendre ça, c'est du rouge. Faut voir. Mais ils ont vraiment fait de toutes les marques en solde, ça c'est vraiment bien. Ça c'est un peu cher, mais c'est grave cool. C'était la bombe là qui fait des paillettes Fenty. Donc je sais pas si je le prends parce que pour le prix, j'ai pas trop l'utilisé. Mais je kiffe de ouf. Il est énervé parce que j'ai pris des paillettes et je lui ai mis sur la joue. Vous êtes énervé, monsieur ? Même pas. Pour l'instant, j'ai pris un démaquillant. J'ai pris ça, c'est du, de la l'après-shampoing. Et un truc pour les yeux parce que j'ai souvent les yeux fatigués. J'aimerais bien tester le fond de teint Born This Way. Oh, tu me fous là. Donc je vais peut-être essayer, je vais voir s'il y a ma couleur. J'aime trop les petits trucs comme ça, la caisse chez Sephora. Ça c'est toute ma vie, j'en ai plein. Mais pourquoi tu fais ça? Prenez-les. Oh, le relou de la journée quoi. Du coup j'ai juste acheté un truc à Sephora, j'ai pas fait beaucoup de soldes aujourd'hui. Et là je suis dans les galeries Lafayette. Donc je vais faire un petit tour, d'habitude j'y vais pas aux galeries Lafayette. Lafayette, je parle comme une gueule. Mais là on verra si je trouve des petits trucs. C'est bon. Oh, j'aime trop 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 trop. Arrête de me suivre. Même plus ce qu'on disait dans ma tête, ça va comme un dimanche. Si je vis de la tête, je pourrais mieux t'expliquer. Maria, Maria, elle voudrait que je l'épouse. Donc là, on va au restaurant, on va à la cantine comme d'hab. Et voilà quoi. Il fait un petit peu frais. J'ai froid au nombril. Je regrette d'avoir mis ce haut, j'aurais dû mettre un sweat. Donc voilà. Moi j'ai pris ça. Oh le copieur, oh le copieur, oh le copieur. Je suis fatiguée de fou. C'est parti là. Ça. Je voulais faire un voilà que t'es vraiment tombé. Non. Voilà que t'es vraiment tombé. Voilà, mon plateau est arrivé. J'ai pris escalope sauce moutarde, pâte à la carbonara. Et là, ils se sont trompés parce qu'en fait, là, c'est forestier alors que lui, il aime pas les champignons. Et des pâtes et des frites. Pourquoi des frites avec des pâtes? Fini. Là, on vient de sortir du resto. Il doit être 19h30. Et en fait, quand on venait de, enfin, quand on était en train de finir de manger, d'un coup, il y a toutes les lumières qui se sont éteintes. Il y a eu un problème d'électricité. Du coup, en fait, on mangeait tous dans le noir. C'était trop drôle. Et du coup, on allumait tous nos téléphones en mode bougie. Et voilà. Puis là, je vais rentrer chez moi. Je suis blindée. J'ai mal au ventre. Et toi, tu es blindée? Je suis blindée. Aussi. Là,
là, je viens de rentrer chez moi. Il est 21h, je suis contente d'être rentrée parce que même si j'ai passé une super bonne journée, ça fait du bien d'être chez soi, de se démaquiller, de se mettre en pyjama, de se détendre. Donc voilà, voilà, là je vais mettre en pyjama. Là je me suis mise en pyjama, donc je vais regarder la télé tranquillement. Et peut-être que tout à l'heure je filmerai une vidéo, donc voilà. Là je suis posée, je suis en train de regarder 10 couples parfaits. Regardez le bouquet de fleurs que ma mère elle a reçu. Attendez, je vous montre. Regardez le bouquet de fleurs de ma mère. Moi je kiffe trop 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 les bouquets de fleurs, surtout les bouquets de roses. Il est trop trop beau. Et en plus... Et en plus, ils sont grave bons. Moi aussi, je veux des mots. Depuis tout à l'heure, je regarde des télé-réalités américaines, mais quand je vous dis qu'ils sont fous, ils sont vraiment fous. Je suis allongée depuis tout à l'heure, là, mes cheveux, ils sont en désordre. Je crois que je vais aller me démaquiller, je vais enlever ma perruque, je vais aller dormir. Je suis KO et il est même pas 23h. Les cours, ça m'a tué. Il est bientôt minuit, je suis vraiment KO, donc là, je vais aller me démaquiller avec le truc que j'ai acheté tout à l'heure et je vais mettre la crème pour les yeux. Et bien sûr, comme d'hab, mon savon de lait de chèvre. J'aime trop de ouf ce truc. Après, je sais pas si ça marche, mais je vois grave ça sur Insta. Donc je le mets, mais je sais pas si ça fait vraiment un effet. Ah ! Je m'en suis mis dans les yeux. Et je vais essayer la crème qui est censée enlever les cernes de chez Sephora. Je doute que ça marche, mais bon, qui ne tente rien à rien. On verra demain matin si mes yeux sont défatigués ou pas, mais j'en doute. Là, j'ai enfin tout fini. Je me suis lavé le visage, je me suis brossé les dents, j'ai un peu fait un tour sur mon tel. Comme d'hab, demain j'ai grave des trucs à faire, faut que je fasse mes devoirs, faut que je commence à monter la vidéo, faut que je tourne une vidéo, enfin j'ai grave des trucs à faire. Et avant de dormir, je voulais vous dire de prendre soin de vous et de pas vous prendre la tête pour rien. Genre si vous avez des mauvaises notes, passez au-dessus, genre des notes, dans 10 ans on se rappellera même plus. Donc si vous avez une mauvaise note, préservez votre santé mentale, vous faites pas mal à la tête jusqu'à être triste. Si vous perdez une copine, préservez votre santé mentale, ne vous rendez pas malade, enfin bref. Le plus important c'est la santé mentale, donc ne vous prenez pas la tête, vivez heureux, même si je sais que c'est facile à dire mais c'est un peu moins facile à faire. Et surtout prenez soin de vous, c'est super important, et de vos proches, faites attention à ce qui se passe autour de vous, comment les gens sont, comment les gens vivent, c'est important. Bref, je vous souhaite bonne nuit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se revoit très bientôt. Si vous voulez plus de vlogs, regardez sur ma playlist de vlogs, et si vous voulez que je fasse plus de nouveaux vlogs, likez la vidéo, mettez-moi un petit commentaire, racontez-moi ce que vous avez fait ce week-end, ça m'intéresse. Et abonne-toi à ma chaîne bien sûr, abonne-toi aussi à mon Instagram parce que je poste quand même pas mal de photos de moi, de stories, enfin je te raconte un peu ma vie. Ajoute-moi aussi sur Snap, même si je suis un peu moins active sur Snap que sur Insta. Et ajoute-moi sur TikTok si tu veux voir faire des chorégraphies. Bref c'est tout, bonne nuit ou bonne journée, je sais pas quelle heure il est quand tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous. Mouah.